123,5 millions de dollars américains nécessaires pour les arriérés envers les entreprises pétrolières en République démocratique du Congo. Nous en parlerons dans cette nouvelle édition de Zoomeco Live, spécialement dans la rubrique dossier qui nous sera apportée avec plus de précision par Deborah Muzinga. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous qui êtes déjà connectés. Nous aurons aussi des précisions chiffrées en ce qui concerne les fonds levés sur les obligations et bons du Trésor au 30 janvier de l'année en cours avec Judith Namaka. Nos rubriques seront au rendez-vous, mais avant d'y arriver, faisons le point sur l'actualité et l'on se retrouve juste après. Suivez. Pour la première fois dans l'histoire financière de la République démocratique du Congo, quatre prestigieuses banques locales, à savoir Equity BCDC, First Bank DRC, EcoBank RDC et Standard Bank, se sont associées pour faire face aux difficultés de la dette du pays envers les compagnies pétrolières. Dans un communiqué publié ce mardi 13 février 2024, les quatre banques se sont liguées en une syndication inédite de 123,5 millions de dollars américains. Une action réussie grâce à un accord de collaboration appelé Club Deal. Plus de détails sur zoom-co.net. 2900 soldats sud-africains seront déployés en République démocratique du Congo pour contribuer à la lutte contre les groupes armés dans l'est du pays. La décision a été annoncée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa le lundi 12 février 2024. En effet, cette mesure intervient dans le cadre de l'obligation internationale de l'Afrique du Sud envers la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle. Plus de détails sur zoom-co.net. Dans l'optique de doper la croissance économique par les billets des centrales hydroélectriques sur les continents, la Banque africaine de développement prépare des projets de modernisation d'une douzaine des centrales hydroélectriques en Afrique pour un montant global de 1 milliard de dollars américains. L'annonce a été faite le lundi 12 février 2024 par le responsable de l'institution. Plus de détails sur zoom-co.net. Au cours de l'année 2023, la société Plantation et Huilerie du Congo a réalisé une production estimée à 80 000 tonnes d'huile de palme en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a révélé Mme Monique Jesques, directrice générale de la société Plantation et Huilerie du Congo, lors d'une soirée intitulée PHC Award, organisée le samedi 10 février 2024 à Kinshasa. Plus de détails sur zoom-co.net. C'en est fini avec les nouvelles en bref. Poursuivons notre édition avec la première intervenante, Judith Namaka, qui nous parle aujourd'hui du fonds levé sur les obligations et bons du Trésor au 30 janvier 2024. C'est juste après ceci. Débutons donc cette série de rubriques avec Namaka qui est déjà avec nous. Judith, bienvenue. Merci. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau pour parler des précisions chiffrées. Mmh. Et pour commencer, déjà, on va voir l'actualisation du cours de change en République démocratique du Congo. Bien, comme à l'accoutumée, on va commencer par le barème à l'officiel. Et actuellement, un dollar vaut 2728 francs congolais. Un franc CFA se change à 4,47 centimes et un euro revient à 2834 francs. Maintenant, prenons la partie approximative. Il s'agit du marché parallèle. Nous avons ciblé aujourd'hui Bandal et dans ce lieu, un dollar s'interchange à 2700 francs, un franc CFA revient à 4,50 centimes et un euro vaut 2850 francs. Alors pour poursuivre donc avec cette rubrique, on va parler aussi du trésor public. Combien a-t-il levé sur les obligations du trésor indexé et bons du trésor indexé au cours de la séance d'adjudication du 30 janvier de l'année 2024? Voilà, le Trésor public a levé des fonds de l'ordre de 62,8 millions de dollars américains à travers deux instruments, à savoir les obligations du Trésor émises en dollars américains et les bons du Trésor indexés au cours de la séance d'adjudication du 30 janvier 2024. Okay. Alors, s'agissant des obligations du Trésor, les résultats publiés par le ministère de Finances indiquent justement qu'un montant attendu était de 50,0 millions de dollars américains et le total des soumissions des banques a été de 25,0 millions de dollars. Alors le taux de couverture de cette séance d'adjudication a été de 50% au taux d'intérêt de 10% et une maturité de 2 ans avec un remboursement fractionné chaque 6 mois.
Et que dire alors des fonds levés sur les bons du Trésor indexés? Et pour finir, qu'est-ce qu'il en est ou qu'en est-il du remboursement effectué par le Trésor public précisément au 26 janvier? Concernant les bons du Trésor indexés, 100,0 milliards de francs congolais, soit 37,8 millions de dollars américains, ont été levés au taux moyen pondéré de 26,625% pour une maturité de 6 mois. Et les soumissions des banques ont totalisé 105,0 milliards de francs congolais, soit un taux de couverture de 105%. En ce qui concerne le remboursement, il y a lieu de relever justement qu'au 26 janvier 2024, le Trésor a globalement remboursé un total de 194,06 milliards de francs congolais, des titres échus dans 97,03 milliards de francs congolais au titre des bons du Trésor, de 97,03 milliards de francs congolais d'obligations du Trésor. Merci à vous Judith pour ces précisions chiffrées. Retournons-nous prochainement, toujours pour les chiffres clés. Merci beaucoup Judith. Une première dans l'histoire financière de la République démocratique du Congo, quatre prestigieuses banques locales se sont associées pour faire face aux difficultés de la dette du pays envers les compagnies pétrolières. Et on en parle avec Déborah Muzinga. Restez branchés. La souffrance, nous en avons connu. Les tueries, les violences et viols de ceux qui nous sont chers. Il est temps que ça s'arrête. Défendons la patrie. Aucun centimètre de notre pays ne sera cédé. Tous derrière les fardessés. Tous pour les Congo. Tous pour les Nord-Kivu. Dossier sur table, on en parle avec Déborah Muzinga. Bienvenue. Merci Judith. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci. Aujourd'hui, nous allons nous attarder avec vous sur ce partenariat entre le gouvernement congolais et ces quatre banques locales. Et on va déjà commencer par la petite histoire avant d'évoluer. Pour la petite histoire, il faut savoir que le gouvernement congolais avait une dette envers les compagnies pétrolières, une dette qui est remontée de plusieurs années. Alors pour pallier cette dette, le gouvernement a comme ça signé un accord avec quatre banques locales. Et il faut savoir que cet accord est passé, c'est vrai que c'était le gouvernement, mais c'est par l'entremise des ministères tels que l'économie nationale, les hydrocarbures et les finances. Okay. Et cet accord a été signé avec les banques qui sont Equity Bank BCDC, First Bank DRC, Ecobank RDC et Standard Bank. Alors, par cet accord, le gouvernement a pu obtenir 123,5 millions de dollars pour, comme ça, finalement, payer cette dette. Alors, on aimerait aussi avoir les différentes raisons précises et objectifs de cet accord entre le gouvernement et ces quatre banques locales. Ok, en parlant des objectifs et les raisons, on peut citer le refinancement des arriérés de subventions sur les prix pétroliers accordés par l'État afin de préserver le pouvoir d'achat de la population. Il faut également parler de cet engagement commun en faveur de la stabilité économique et du bien-être des citoyens, mais également on parle aussi de ses répercussions positives sur des secteurs interdépendants tels que le transport et l'industrie. Alors, on va finir avec vous, Déborah, mais avant, dites-nous de manière claire, quel est donc le bien fondé de cet accord? Le bien fondé de cet accord, c'est ce soutien vital que cet accord apporte aux entreprises pétrolières et logistiques, mais également cette redynamisation des activités. Et pour finir, soulignons que cet accord marque un pas significatif vers la consolidation du secteur financier congolais et par la même occasion, il renforce la position du pays en tant que centre économique émergent en Afrique. Et c'est par ici que prend fin notre échange. Déborah, merci à vous pour ce dossier proposé. Merci à vous de m'avoir reçu. Prenons cette fois-ci un autre chapitre. Il s'agit de ce sondage dénommé « Protégeons les champions » lancé par Zoom Ecolive. Cette fois-ci, il ressortira les cinq meilleurs gouverneurs de la première mandature de Félix-Antoine Tshisekedi. Nous vous prions de suivre ce spot qu'il annonce.
Ils sont 26 au total, mais seuls quelques-uns ont su se démarquer des autres grâce à leur réalisation. Qui sont les 5 champions du gouvernement Sama 2? À vous de juger. Quels sont les 5 meilleurs gouverneurs de la première mandature du président Félix Tshisekedi Tshilombo qui ont su lui donner un discours de campagne? À vous de juger. La démarche est simple, contactez-nous à ce numéro WhatsApp et faites connaître votre choix. Le 5 meilleurs gouverneurs au peuple de juger, protégeons les champions. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wendy sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et à présent, on va prendre la prochaine rubrique, c'est Zoom Wendier, qui nous permet de rester bien installés chez nous en ayant bien sûr les prix des différents produits vendus dans les marchés congolais. Et c'est avec Naomi Kandé. Aujourd'hui, elle nous fait un zoom sur les prix des matériels nécessaires utilisés en pâtisserie. Suivez-la. Pas une rue de Kinshasa sans passer par un étalage de beignets ou de pain, puisque la pâtisserie de nos jours devient un monde très vaste, car elle réunit la créativité et les savoir-faire. Une occasion pour Zoom Wendy de vous présenter le prix de quelques matériels nécessaires en pâtisserie. Le prix, c'est tout de suite. Débutons ce nouveau marché avec un moule à gâteau rond qui s'y vend entre 35 000 francs et 82 000 francs congolais. Un moule rectangulaire revient à 37 700 francs. À Kinshasa, on retrouve aussi un moule en silicone qui s'y vend à 27 850 francs congolais. Pour mieux mélanger vos ingrédients, un fouet manuel coûte 3 500 francs. Pour ceux qui préfèrent un fouet électrique, cela revient à 35 dollars américains. Un robot batteur électrique s'y vend à 85 dollars pour la petite mesure. Un grand robot électrique s'y vend à 120 dollars, voire même 150 dollars américains. Pour mieux frire vos pâtisseries, une petite friteuse coûte 85 dollars et la grande friteuse à 150 dollars. Pour un bon lissage de gâteau, on retrouve aussi une corne à 2200 francs. 52 600 francs est le prix fixé d'un ensemble de poches à douille pour l'embellissement de vos pâtisseries. Et enfin, pour clôturer ces marchés, une petite crêpière se vend à 75 dollars. La grande crêpière à 187 dollars américains à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wendy. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. L'économie de la République démocratique du Congo, on en parle une fois encore, en ayant cette fois-ci des précisions en ce qui concerne les rendez-vous qui sont directement liés à l'économie de la RDC et leurs précisions sur le lieu et les frais de participation. Adassa Grasse nous en parle. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare une nouvelle session sur l'IA et ChatGPT qui commencera du 20 au 21 février 2024 de 13h à 17h et aura un accent particulier sur gagner du temps et de l'argent avec l'IA et ChatGPT. Toujours avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qui cette fois-ci prépare une visite d'entreprise le mercredi 21 février prochain à Novotel et Resort à partir de 11h.
signalant que cette visite est réservée aux membres. Et pour finir, la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle Okatanga, tiendra une nouvelle formation sur les innovations dans la démarche préventive de risques professionnels dans les entreprises du 22 au 23 février 2024, des 9h à 15h au siège de la FEC Okatanga. Et ne sera pas gratuite car le frais des participations est fixé à 200$. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est tard de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zoomeco TV. Bouclons cette série de rubriques avec la toute dernière, article 15, qui nous rapproche de la réalité congolaise, des différentes activités commerciales ainsi que du partage d'expériences. Suivez. Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Débrouillard à jamais. C'est le jardin parce que les patrons sont là dans la fleur. La fleur est très importante, elle prend un moto. Quand on a des personnes qui ont un goût, il y a un jardin. Si le loup a zali, il y a des personnes qui ont un jardin. L'avantage de les zali, c'est que les gens ont un jardin. Ils ont foutu un dako dans le jardin. Ils ont un dako dans le jardin. Nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe des professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est par ici que prend fin cette édition. Merci à vous d'avoir été nombreux à la suivre. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous retrouve prochainement. Au revoir.